Salut à tous, Sandman. On est toujours sur PES 2019. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va tranquille. Aujourd'hui, on se retrouve pas pour la suite de la carrière joueur. Donc, on se retrouve pas dans le mode Verne Legend, mais on se retrouve de nouveau dans le mode My Club pour une review, une nouvelle review. Après le Gervinho 84, on se retrouve pour la review d'un autre joueur qui se trouve lui aussi dans l'agent Player of the Week. Et ce joueur, c'est qui? C'est Edin Zvika 86, l'attaquant bosniaque du Istanbul Başakşehir qu'on a chopé au cours de l'un de nos trois tirages. Et du coup, c'est sur lui qu'on s'attardait aujourd'hui dans cette vidéo. Du coup, ce Zvika 86, vous pouvez voir sa fiche statistique et les deux équipes dans lesquelles je l'ai testé. Là, même cas de figure que le Gervinho, c'est-à-dire qu'au départ, je comptais pas faire une review de ce joueur. Je comptais pas faire une review de ce Zvika parce que j'étais pas spécialement chaud pour en faire une. Mais vu que j'ai fait le test du Gervinho juste avant et que j'ai kiffé le joueur, je me suis dit que ça pourrait être la même avec ce Zvika, et du coup bah je me suis dit pourquoi pas finalement faire une review. Mais là pour le coup je vous le dis, c'est pas le même niveau, c'est vraiment pas le même niveau, c'est pas aussi bon que le Gervinho. Là ce Zvika 86 c'est un bon joueur, mais ça s'arrête là. Vraiment, c'est pas fou, j'ai pas ressenti la même folie qu'avec les Gervinho. Ce qui m'a le plus marqué avec ce Zvika, c'est sa technique. Pas tant au niveau des gestes techniques, mais plutôt au niveau des dribbles simples, donc les feintes de corps, les crochets courts, les feintes de frappe, etc. C'est vraiment très bon, ça sort très vite. Il a un 82 en contrôle de balle et un 83 en dribble, et ça se ressent, le ballon colle au pied. Ça colle bien au pied, c'est vraiment agréable, le joueur est adroit techniquement, donc vraiment dans les petits périmètres, encore une fois, c'est agréable parce qu'on peut du coup effectuer des conservations sous pression. D'autant plus que le joueur est très bon physiquement. Parce qu'il a un 90 en vitesse, un 92 en explosivité, un 87 en équilibre, un 87 en endurance et un 62 en contact physique. Le joueur va très vite. Vraiment, il va très très vite. Il est très agile. Et même si il résiste pas spécialement à l'épaule, parce qu'il a une vieille note en physique, à certains moments, il arrivera à compenser, notamment grâce à son équilibre, mais surtout grâce à sa technique. Et comme il a une bonne endurance, bah, il y aura moyen de le trouver à tous les instants. Et de s'illustrer du coup avec lui à tous les instants, parce que vraiment techniquement on peut faire vraiment de grosses différences avec lui. Mais ce Zvika il a aussi des points négatifs, notamment offensivement. Offensivement il a un 92 en talent offensif, un 82 en finition, un 85 en puissance de tir et un 3 en précision PF faible. Et pour le coup je vous le dis, j'ai été déçu. J'ai vraiment été très déçu, notamment au niveau de son talent offensif. Le 91 se ressent pas du tout. Le joueur reste constamment collé à sa ligne. Parce que c'est un joueur de couloir, ce Zvika, donc on met en milieu droit ou en milieu gauche. Là, moi, perso, je l'ai testé en milieu droit et en ailier, et je vous le dis, peu importe le poste, c'est la même chose à chaque fois. Le joueur reste collé à la ligne de touche, c'est insupportable, vraiment, je vous le dis. C'est vraiment casse-couille, parce qu'à certains moments, ça peut vraiment poser des gros problèmes, parce que, par exemple, si vous voulez jouer court, en passant par le côté du Zvika, pour donner le temps à votre bloc de remonter, par exemple, genre suite à un corner que vous avez dégagé, bah vous pouvez pas, vous êtes obligé d'allonger parce que le Zvika va pas redescendre, venir proposer une solution, il va rester collé à sa ligne comme un gros débile, et du coup ça fait qu'on est obligé d'allonger comme des fous à chaque fois, et ça c'est vraiment insupportable parce que des fois on se retrouve du coup à perdre le ballon et à devoir du coup regérer une occasion adverse, et ça vraiment c'est chiant parce que ça aurait pu être évité si le Zvika était redescendu. Donc vraiment le talent offensif je mettrais pas du tout un 91 mais plutôt genre un 80, 82, 83. Autre point négatif, le mauvais pied du joueur. La finition est bonne, mais par contre le mauvais pied du joueur, donc le pied gauche là pour le coup, il est vraiment pas bon. Le 3 en précision pied faible est mensonger, j'ai vraiment trouvé que son pied gauche était mauvais. Donc je mettrais mais absolument pas un 3 mais plutôt un 1 ou un 2 mais grand maximum. Parce que j'ai raté vraiment pas mal de face à face pied gauche avec lui. En coup de pied arrêté par contre c'est pas mal, il a un 72 en coup de pied arrêté. J'ai eu 3-4 coups francs au cours de la review, c'est bien parti. Donc si vous savez bien tirer les CF, vous pouvez prendre le Zvika pour les shooter, il n'y aura pas trop de soucis. Là ce Zvika j'ai testé à peu près 9 matchs, 9-10 matchs je crois, il y en a un qui a sauté. Et du coup vous voyez que le bilan est pas mal, mais après vraiment je vous le dis, je l'ai pas trouvé ouf. Donc c'est pas un joueur que je vous recommande spécialement. Si vous l'avez, testez-le, ça coûtera rien, mais après vraiment je vous le dis, je vous le recommande pas spécialement. Donc si vous l'avez chopé, franchement faites-en ce que vous voulez. Sur ce les gars, je vais vous dire à plus, et une prochaine fois, soit pour une nouvelle review, soit pour la suite de la carrière.